regardez cet homme grand. C'est fou, ça. C'est oh mon Dieu, c'est incroyable. Les gens marchent pour se déplacer. Moi, je marche pour accepter. Les gens boivent pour oublier. Moi, je cours pour oublier. Les gens dansent pour s'amuser. Moi, je danse pour me rappeler. Je cours. Je suis épuisé. Mes poumons semblent lâcher à chaque instant. Mes jambes sont raides et mes pieds s'alourdissent et s'enfoncent dans le sol. Mon souffle est irrégulier, instable, presque maladif. Et j'ai la nausée. Ma tête tourne. Ma pensée s'envole vers des souvenirs heureux. Pourquoi tu es parti? Comment as-tu pu m'abandonner? Papa, j'entends encore ta voix, ton cri, ton sinistre chant de corbeau qui résonne à travers les secondes de ma course. Un son insupportable et continu, marque du temps qui s'écoule, marque de mes blessures et de mes regrets, qui me suivent comme une horde d'oiseaux enragés, trace indélébile que la mort a laissée sur son passage. Pour fuir son poids, j'ai besoin d'un assassin. J'en connais beaucoup, mais le plus efficace est Amnésie. Je me sens prêt à le payer de mon futur aux ailes brisées, pour qu'il fasse taire mon passé. Pourquoi les souvenirs m'appliquent-ils des regrets aussi douloureux? Pourquoi sommes-nous obligés de se séparer? Pourquoi on ne vit pas en même temps? Pourquoi cette barrière entre les âges? Pourquoi nous ne sommes tous pas de la même génération ?